Une diva. Qu'est-ce qu'une diva? Si je sors mon petit Larousse de poche, je peux lire « Cantatrice célèbre par son talent et par sa réputation », se dit plutôt d'une cantatrice d'opéra. Alors, les chanteuses d'opéra sont-elles toutes des divas? Pas sûr. La plus grande diva de tous les temps est sans aucun doute Maria Callas. Elle pouvait jouer de nombreux rôles grâce à une voix puissante, des graves intenses et des aigus brillants. Sur scène, elle n'était pas seulement chanteuse, non, c'était aussi une comédienne charismatique, une vraie tragédienne à l'image de sa vie. Car si Maria Callas est la diva, c'est qu'elle est connue partout dans le monde, au-delà même des amoureux de l'opéra. Elle fascinait par sa voix, d'accord, mais aussi par sa beauté, par son caractère bien trempé et par ses amours tumultueuses. Si vous voulez devenir une diva, il vaut mieux que vous soyez soprano. Bah oui, ce sont quand même les sopranos qui ont les rôles les plus divesques et qui nous font rêver, car la diva doit nous faire rêver. Si vous aimez les rôles de soprano léger, vous devrez faire des pirouettes dans les aigus comme Nathalie Dessay quand elle chante l'Acmé de Léo Delibes ou les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Mais le rôle de diva le plus convoité est celui de Violetta dans La Traviata de Giuseppe Verdi. Et là, il vous faut une voix de soprano lyrique, c'est-à-dire agile et puissante, capable de passer au-dessus des gros orchestres du 19e siècle. Enfin, vous pouvez aussi être une diva du genre dramatique. Les sopranos dramatiques sont les voix les plus graves. Et ce sont les chanteuses préférées de Richard Wagner ou de Richard Strauss. Autant vous dire qu'il faut avoir du coffre. Si vous ne connaissez pas votre catégorie, rien de grave. C'est peut-être que comme Maria Callas, vous pouvez chanter quasiment tous les rôles. Et puis, une voix change et au cours de sa carrière, la soprano choisit ses rôles en fonction de l'évolution de sa voix. Aujourd'hui, le mot diva est utilisé à toutes les sauces. Alors si vous êtes mezzo, alto ou que vous êtes un homme, ou si vous ne savez pas chanter, rassurez-vous, il existe d'autres solutions. Vous pouvez être par exemple chanteur de pop ou actrice ou bien starlet de télé-réalité ou footballeur. Le tout est de savoir provoquer un petit scandale de temps en temps et de bien gérer les réseaux sociaux. Facile d'être une diva, non? Oui, enfin moi, je préfère quand même mes divas de l'opéra.